aujourd'hui, quand des jeunes se marient, c'est une grâce parce que le monde n'encourage pas le mariage. Comme vous pouvez le voir, quand un jeune se décide de se marier, il y a beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on les accompagne aujourd'hui. Une chose qu'il faut savoir, une vie de couple ne peut pas être réussie s'il n'y a pas le mot pardon. Sa fierté, à un moment donné, il faut savoir la mettre derrière soi et dire « homme que je suis, femme de Wilkins ou mari de Naomi, je te demande pardon car je reconnais au fond de mon cœur, je t'ai offensé. » Ouais, c'est vrai. Ouais. Le mariage, je ne vais pas prêcher, mais c'est le commencement d'une famille, c'est le commencement d'une nation, c'est le commencement d'un peuple. Lord, without you here with me, all I seem to do is make mistakes. Wilkins, je connais depuis pas que je suis né. Je crois même qu'il n'était pas très loin quand j'étais né, ou sa maman n'était pas très loin. Et pour dire, le prénom que j'ai, c'est son père qui l'a choisi. Donc Walter, je le dois à son père. Pour dire à quel point nos familles, elles sont liées. Et Gunn, c'est une bonne personne, hein. Toujours un gars têtu qui fonce, mais un bon gars sur qui on peut compter. En tout cas, vraiment la famille. Tout le bonheur du monde. Vraiment, je suis heureuse qu'aujourd'hui tu aies pu accomplir ce rêve, en fait, ce rêve qui te tenait à cœur. Et je t'ai vu grandir, je t'ai vu fleurir. Aujourd'hui, j'espère te voir t'épanouir. Je te fais de gros bisous et que Dieu soit avec toi. Il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Le 14 octobre 2022, je me sentais fier de vous parce que vous faites un bon choix, mais il faut l'atteindre, ce choix. Donc, il faut prendre Dieu comme ton boussole afin que tout le monde va marcher bien. Ok? Ça, franchement, c'est une belle chose. Je souhaite à toutes les mamans de vivre ce moment. Et je dis merci à ma fille de me permettre de vivre ce moment avec elle. Et je rends grâce à Dieu, franchement, parce qu'il nous a soutenus, nous a accompagnés. Je bénis Dieu. Et je le conseille aussi à ce que
demain, elle aussi, elle puisse éduquer ses enfants dans les bonnes, dans les valeurs de la famille. Aujourd'hui, quand des jeunes se marient, c'est une grâce parce que le monde n'encourage pas le mariage. Comme vous pouvez le voir, quand un jeune se décide de se marier, il y a beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on les accompagne aujourd'hui.